40 minutes. 40 minutes. C'est rapide dans la moyenne. Bon, après là, c'est que c'est. Ouais, déjà pré-positionné. Voilà, ça s'est mis complètement en place. Ça peut être plus rapide, ça peut. Voilà, après. Moi, j'étais tenu avant et sur deux, maintenant, c'est en mode. C'est très très bien. C'est un enjeu avec les départs en vacances. Ça permet de faire passer les messages. J'avais prévu. On est sur l'aire de Marzan, une aire qui est très fréquentée par les touristes. En ce week-end de grand chassé croisé avec un certain nombre d'exercices, quel est l'objectif de cette opération? Alors effectivement, nous sommes sur un week-end de chassé croisé aujourd'hui avec plus de 80 000 véhicules qui vont circuler sur la RR 165. L'objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser l'ensemble des personnes qui vont être amenées à s'arrêter sur cette aire de passage aux enjeux de la sécurité routière en partenariat avec différents acteurs, donc le SDIS bien évidemment, la DIRO, les gendarmes, mais aussi la prévention routière, les IDSR et les autres acteurs qui contribuent à cette sécurité routière sur le département. Un message particulier à l'adresse des touristes et des automobilistes qui... Bien sûr, un message de vigilance naturellement. Aujourd'hui sur le département, donc malheureusement nous comptons 25 tués à l'heure actuelle. Nous en avions 28 l'année dernière, donc on voit qu'on reste sur des chiffres qui sont élevés. Il est essentiel que tout un chacun reste vigilant en cette période de chassé-croisé et notamment pense à se reposer, à s'hydrater, à changer de conducteur afin d'assurer une conduite en sécurité sur l'ensemble des trajets des vacances qui sont parfois des longs trajets. Et on sait que ça peut créer de la fatigue et des pertes de vigilance. Donc, il est important de veiller sur ces points-là. Alors, ici, c'est une mobilisation de différents services qui travaillent autour de la prévention routière et pas seulement la répression, il y a aussi la prévention. Bien sûr. Alors effectivement, la politique de sécurité routière, c'est une politique qui fonctionne sur deux piliers. Il y a un volet répression naturellement, mais il y a aussi un volet essentiel qui est la prévention. Une prévention qui est menée par différents moyens. Donc la sécurité routière du département est présente sur tous les grands événements, en ce moment notamment sur les festivals qui peuvent avoir lieu sur le département. Elle est présente aussi sur ces grands moments de circulation afin de rappeler justement tous les enjeux des bonnes règles de conduite. Et c'est ce message que nous souhaitons vraiment aujourd'hui refaire passer avec l'ensemble des acteurs qui concourent quotidiennement à cette sécurité routière. Merci.